merci beaucoup. On calera les timings entre nous, mais ça vous... ne vous mobilisera pas. Tout va bien, c'est pas trop... ça va? Are you alright? I think it's a little pretentious, and I feel I know. I agree. It is an honor for me to be able to serve you all as president of the 21st Conference of the Parties. It has already been 20 years since we first gathered in Berlin to address the urgent issue of climate change. At this point, I would just like to reflect on what exactly we have achieved as a global community and where have we failed. Within the past 50 years, we have achieved a destruction of more than 20% of primary forest in the Amazon. In 2009, we achieved the displacement of around 36 million people due to worsening natural disasters. And finally, just last year, we achieved the Earth's warmest year on record. So where have we failed? We have failed to come together as a global community, and we have failed to realize that in addition to saving the environment and the climate, ultimately we are all trying to save ourselves. So at this point, we must ask ourselves, is this really the world we want to live in? We have gathered here today because we all have one mission, and that is to agree on what our future should look like for our next generations. So all together, I have faith that we can come together and that we can make it work. Thank you. Territories contact group. So what we've been thinking is this text. So basically, I'm going to read the text. Imagine in 2015, you are youth living in a slum. Now imagine in 2050, the EU has built a floating island to welcome you as a climate refugee. This is our vision. This text is a new way to think a vision. This sort of format would include every entities. Imagine you can switch the words. You can switch youth if you're another population. You can switch a slum if you're concerned with another location. The idea basically is that the vision is there is a problem, about the first two lines, and we want a solution. This is our vision of the future. I mean, which of you has like says there's a problem but we don't want a solution? No one. On doit réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre. Là, on a un chiffre. Et là, vous allez prendre n'importe quel ingénieur, il va vous dire « Ah, mais c'est pas possible. » Et du coup, là, on va pas chercher à avoir des idées. Nous, on a essayé d'inverser la donne, de partir d'une vision, de partir de « Bon,
comment on imagine la société en 2050. Donc on l'imagine de cette manière, on veut atteindre ça. Et ensuite, on a carte blanche, on a notre chemin, on est voilà, en 2015, on est tous ensemble, on est des gens qui représentent des entités différentes, mais malgré tout, on a une vision commune qu'on veut atteindre. Et ben maintenant, on doit imaginer. Une délégation ne peut pas nous dire « non, c'est impossible ». On va leur dire « non, c'est pas impossible, proposez-nous quelque chose ». Et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille, en fait. C'est être très créatif, c'est très, très difficile et très fatigant, mais c'est là-dessus qu'on travaille depuis plusieurs jours. Donc on a... Alors voilà, je vous promets pas que ça va faire des choses géniales. On va voir. Lorsqu'on parle du climat, on embête tout le monde parce que personne ne comprend rien au climat. En gros, ça veut dire le climat change, c'est causé par les émissions de CO2. Ces émissions de CO2, elles sont très lointaines, personne n'a de contact direct avec elles, sauf évidemment par les modèles scientifiques. Donc l'idée était de dire, non, on ne va pas parler de climat, en fait, on ne va pas parler du tout de climat ni de CO2, on va parler de la vision qu'on a de l'économie en général, en 2030 ou en 2050, de façon à ensuite s'occuper de la conséquence lointaine sur laquelle on aura peut-être une chance d'agir, qui est la quantité de CO2 dans l'atmosphère, et donc le climat. Endangered territories are defined as areas in which are at risk of negative disruption or destruction of... I'll put it in the singular then. Destruction due to the direct and indirect implications of climate change. Vraiment de mettre là, les visions ici, comme ça, on a les visions à gauche, les visions à droite. Okay. Ça nous permet de réaliser l'histoire. On veut du congrès, attention. Ah, on veut du congrès. On veut du congrès. C'est vraiment ta journée en 2050, quand tu te lèves le matin. Combien d'enfants? Comment tu les amènes à l'école? Qu'est-ce que tu leur donnes pour leur petit-déj? Enfin, tu vois, c'est cool, mais c'est ça notre société, tu vois, quand ça sera... Comment rentrer dans un A4? Bah, tu prends un crayon bic au lieu de prendre un feutre. Quand on négocie sur l'immédiat, les conflits d'intérêts sont immenses. Quand on se projette dans l'avenir, on sait que les choses peuvent changer. On sait qu'on s'adapte, on sait qu'il y aura de nouveaux emplois, on sait qu'on n'aura pas la même vie, qu'on n'aura peut-être pas envie des mêmes choses. Et donc la distance permet d'imaginer le changement, alors que dans l'immédiateté, il est toujours perçu comme peut-être souhaitable pour certains, mais très violent pour d'autres. Ce que j'essaye de mettre en même temps dans la simulation, en voyant jusqu'où ça peut aller, et je négocie en même temps, puisque du coup j'ai un pied dans les deux, c'est que dans l'accord à Paris en 2015, on dit que les pays vont faire, avant 2020, vont proposer leur scénario de leur trajectoire de développement d'ici 2050, qui serait compatible avec 2 degrés. This is an amendment to the previous one, right? All parties recognize the risks due to oil exploration as an international concern. We are saying that the carbon budget has been exceeded in terms of reserves, so therefore we do not need any more reserves. Now, this is not calling for action to ban reserves, it's calling to recognize it as an international concern, not just a national concern. Because at the moment, nations say, this is within my exclusive economic zone, therefore I can do whatever I want. It doesn't make sense for states to commit to 2 degrees and then continue to explore for more oil. That's very good. Yeah. That's all. Okay. For 23 years since the negotiation started, we have been discussing about carbon in the air and not carbon that is still in the ground and is planned to be extracted. So we believe this is a fatal flaw of the negotiations, and we're not the only ones to believe. There's a major consensus in the international community at the moment for that. So we would like, as the one of the innovations in these negotiations, to be that the conditions on the extraction and exploration for new reserves of hydrocarbons to be negotiated as well. On n'est pas là pour rêver, on est dans un cadre réel avec des acteurs réels et des enjeux concrets, parce qu'au final, le changement climatique, on va le vivre un jour ou l'autre. Il va nous tomber sur la gueule, excusez-moi mon langage, mais à moi, à mes enfants, à mes arrière-petits-enfants, à vous aussi. Donc, en fait, il y a quelqu'un tout à l'heure qui a dit cette phrase, et j'ai trouvé ça magnifique, « Le jeu ne délégitime pas l'enjeu. L'enjeu est réel, est important, et c'est pour ça que le jeu prend une tournure réaliste
et novatrice. Donc on oublie le texte, on oublie ce qui existe déjà, et essayons de créer quelque chose d'autre. Dans notre délégation, on a aussi une entité qui est animale. On a une personne qui représente les orangs-outans qui sont tués à cause de la déforestation de l'île de Palme. Et donc, elle, pareil, de son côté, elle dit ben, qu'est-ce que ce serait la vie rêvée idéale des orangs-outans d'ici 2050. Et par exemple, elle a eu l'idée de faire du Nutella bio, parce qu'aujourd'hui, le Nutella, c'est de l'huile de palme. Donc plein de ce genre d'idées, on n'a pas encore les mécanismes, tous les tenants et les aboutissants pour les mettre en place concrètement, mais on n'est pas là pour ça. En une semaine, on n'aura pas tous les mécanismes économiques, financiers, sociaux pour les mettre en place, mais juste avoir de nouvelles idées. Dans le modèle qui est utilisé par l'ONU, c'est-à-dire où il y a tous les pays les uns à côté des autres, tous les pays sont supposés avoir une voix égale, que ce soit les Maldives ou les États-Unis, la Russie ou bien le Congo, alors que ce n'est pas exactement vrai. Mais surtout, le grand problème, c'est qu'on ne représente pas les entités, les objets de la nature, les relations internationales, les lobbies, les industries, les coopérations un peu étranges comme les peuples indigènes, qui sont dans aucun pays, mais qui sont un peu partout dans tous les pays. Et donc on a une négociation finalement assez biaisée parce qu'elle représente, disons, plutôt mal, mais en gros, de façon à peu près crédible, les humains, disons, mais absolument rien du monde, ce qu'on appelle les non-humains, c'est-à-dire tous les êtres avec lesquels on doit vivre et dont on dépend. L'Australian delegation would like a justification for why we're talking about non-humans in a treaty that addresses human issues. We just want a justification for its inclusion. Why can we not just end the sentence at humans? Because if you affect forests, if you affect the Sahara, if you affect the Arctic, it's going to have an impact at the end on human population. So it recognizes the root cause of the mental and physical, I mean, we just said health impact. So we're talking about health of the soil, health of bees, health about animals like bees. Now bees are having a strong disaster, and if they are not existing, there is no life. There are some very precise cases where climate change has had impact on health, such as in Thailand with the water polluted and the people with six fingers. This is a physical problem due to climate change. Yes. And just to reach a consensus, why not getting rid of physical and mental? I mean, so you include both and without specifying it. Everybody, wait, to be specific. I mean, health, what is health? Mental, physical? If we define health, we'll know if we talk about bees, if we talk only about human. But if you talk about everyone, like to which stage do we consider we're healthy? Can I just clarify? Endangered territories, doesn't that also cover non-human health? The endangered territory, yes. don't they cover the health for the non-human beings? Nobody knows, I don't think. We don't know. We don't have any data about what's going on in the endangered territory. So, yes, on the very last page. L'océan te cherchait. L'océan? Oui. Ah, mais tu sais, moi, l'océan, on est très bons potes, donc... L'océan te cherchait pour avoir des données précises sur le CO2, je ne sais quoi, et j'étais très embêté parce que... Il faut que vous preniez en vie. Ok. Tu n'en as aucune idée en plus. Attends, j'ai la signification de l'océan, je connais le taux, je connais tout. Mais justement, c'est ça le problème. Ouais. Oui. Water quality and resources should be preserved. In order to face these challenges, adequate and sustainable oceans, rivers, lakes, glaciers, underground waters, inland seas, and ice-related measures will have to be enforced at different scales. All parties shall commit to increasing the capacity of marine ecosystems to cope with the harmful effects of ocean acidification. Canada. Because that we are raising GHG emissions, we're not going to be able to stop that. It seems contradictory to say that at the same time we're protecting this ocean. We know that it's going to become more acidic. I completely agree with Cody that it doesn't mean anything at the moment. Maybe you can justify its position. Please. The justification was that since we were talking about realistic versus unrealistic decrease of ocean acidification, that means that there's a certain amount of harm that's going to be done to marine ecosystems, and the reasoning behind it was that
if we're going to accept that we will be harming ecosystems to a certain degree, we should also take increased measures of protection. Now, I accept that the United Kingdom accepts that the phrasing of the sentence might be a bit confusing. Perhaps it's impossible to increase the capacity and we should use protection instead. So all states commit to increasing protection of marine ecosystems against ocean acidification. Would that be acceptable? L'idée d'expérimentation, de laboratoire, elle est très importante parce que cette négociation sur le changement climatique, elle est tellement compliquée, elle est tellement nouvelle au sens où on négocie un objet complexe. C'est de la science, de la technologie, de la politique, de la géopolitique, de la souveraineté, du droit. Et donc cette idée de laboratoire, elle est extrêmement pratique. Elle a un sens parce qu'il faut trouver des idées nouvelles pour avancer. Parce que sinon, objectivement, tous les politologues vous le diront, enfin ceux qui sont spécialistes de ces sujets de coopération internationale, vous disent qu'il n'y a aucune raison qu'on y arrive. So, article 1, global energy mix. By 2050, carbon emission generating fossil fuels shall not account for no more than 40% of the global energy mix. Less carbon intensive technology equipped countries shall help developing countries in less carbon intensive technological diffusion at affordable costs with financial support through effective mechanism. So, is there any party opposed to passing this article at this point? Yes. Do you see this article right now? I don't know if the text of COP21 is more ambitious than what we are doing right now. We have the solution. The solution is imagination, okay? For the moment, we are doing nothing, okay? We are the generation of climate change. We will suffer it. We have the responsibility to act, not just as delegates, not just as functions, but also as individuals. You carry the weight of your population, carry the weight of your ecosystems, carry the weight of the people, of the things, of the nature you're representing. For the moment, this is nonsense. This is not even vision. I don't know what can we do of this? That's 1 minute, thank you. Was that a point of clarification? All right, last one, and then we will adjourn to go into our contact groups. I feel that there should be a space for what the outside intervention has stated, and we should have a creative contact group where people can express alternative visions, create an alternative document to the text that we will continue to work on, but we should at least give 1 hour, 2 hours to allowing all the branches that we have lopped off in the thank you. Pursuit. This was not a comment on the fact that we were going to open a speakers list. Thank you. All right, hereby declare this meeting adjourned. They already voted that they want their contact groups to be unmoderated and whatever. So that is an innovative format already, right? So there's one innovation. But when we go into plenary sessions, let's make them more formal, but this really means that we have to set up the space for that. If people are just coming in, whatever, and sitting and standing and doing whatever we want, right. this is a conference, it's an Assemblée Nationale. This morning, if you guys noticed, like, it was really frustrating, but it was much more, people were much more in their roles. Wait, what? I still don't understand what went wrong this morning. Le théâtre est un grand jeu de rôle, mais là ils font ça parfaitement. Ils ont préparé leurs personnages, ils ont préparé les enjeux. Ils sont en même temps en improvisation, parce qu'il faut sans arrêt être sur le qui-vive, c'est pas un texte appris. Certains avaient préparé des discours, mais d'autres doivent être actifs. Ils sont vraiment dans la peau de personnages, avec une part évidemment de sincérité, puisque je pense qu'ils n'ont pas choisi par hasard de représenter tel ou tel pays, telle ou telle entité. Les gens des océans sont extrêmement investis dans le rapport d'une vision plus écologique de la planète, mais en même temps, les gens des lobbies industriels défendent aussi leur vision. Ça peut alimenter une autre façon de voir les débats réels, parce que réels, ces mots sont intéressants, réels et artificiels, les questions sont les mêmes pour la véritable COP, puisque les chefs d'État vont visiblement rejouer des arrangements qui se font en ce moment en coulisses entre différents assistants, secrétariats des différents présidents et gouvernance. C'est un jeu de rôle.
if we hope to have a carbon market by 2030. I just like India have hopes to have a carbon market in the next 5 years. Okay. Yeah. So I create a carbon market. But that carbon market might have a lot of flexibility and it might adjust according to the international carbon prices and carbon market too. But it will have vulnerability too due to the international shocks as well. So it's for India to have it as early age, at early phase to have, you know, to link with the international price, it will have a more, you know, adverse implications than having the positive implications. I disagree, because if India has its own carbon market, then it's cheaper for a company that serves India to go outside of India, then it'll just leave. You see what I'm saying? But then if you link markets and there's a market where it wants to go to, then it won't have that option anymore because it'll be the same price everywhere. I think, I'm pretty sure you agreed to that earlier this morning because that line hadn't changed. Did they? Yeah. I might not have read it very well. Yeah, I didn't notice. From places. No, affirms. No, places is a little bit stronger word. Maybe just affirms. Did you sign mine? Or are you not going to? It's in capacity of Prime Minister, not, but if there would have been any other delegation, I would have told them to sign. Wait, what? But India was going to agree to the agreement anyways. If there would have been... Prime Minister represents India and India was going to agree. Yeah, I don't understand. I think it's only a state level. As an entity, I'm the California Air Resources Board, and that's an organization that has its own... It runs the cap and trade market in California, as well as many air pollution programs. Basically, it's California is trying to stop climate change, and it can't do it alone because point source emissions are circulated around the globe. It's a global system, right? So the point of that is, what I'm trying to say is, everyone emits greenhouse gases, and that affects everyone else. So California has a market by itself, but that alone is not enough. We need a global linked market to really affect any change. From the government's point of view, it would be very difficult for any other government to come like this gentleman from the California Air Research Board has come and, you know, they present to you something that which is very difficult. No country in the world would come and would tell you like that. So it's very, very thought-provoking for the government to think that, hey, is it possible or not? And second thing, it also compels you to do something. So I had to do research that, okay, is it possible for me to create a global carbon market or national carbon market? And it is possible that, so I pledge that within 5 years, next 5 years, India will create a national carbon market. Then I was reading, going through the pledges, then this, because it's a binding agreement, so it's not easy to sign a binding agreement for a country which whose carbon emissions are going to triple within next 20 years. So, and the carbon emission in India, which hopes to grow at the 7 to 8% or double digit growth for the next 30 years in order to alleviate its poverty. Une étudiante tout à l'heure me disait, bon, pour l'instant on en est à 40% de fossiles, d'énergie fossile en 2050 et 850 particules. Mais on veut dire qu'on explose complètement tout ce qu'il faut faire. Mais pour l'instant c'est à ça qu'ils sont arrivés. Donc il faut qu'ils revoient complètement la somme des intérêts nous donne évidemment quelque chose qui n'est pas compatible avec l'objectif global. Et cet aller-retour là, je crois que ça va nous permettre d'apprendre à quelles conditions on peut se construire cette vision du futur et quels sont les obstacles majeurs. We're doing this informally, obviously, but I suggest that we have some sort of structure. So I'm gonna ask, is it stranded oil assets to read the new proposal which I've been worked on during lunch? Should I read it? Okay. Article 8 reads as follows now. The Arctic is an endangered territory which needs to be protected. Number one, therefore, parties commit to start a 50-year moratorium on exploratory oil drilling and extraction in the Arctic by June 2016.
2, all parties recognize the systemic, economic, social, environmental risks in petrochemical exploration in the Arctic. All parties agree to implement regulatory measures mitigating these risks. Is there a clear definition of the Arctic, Antarctic, and other world territories? Yes. Because yes. As I know, Russia is not very sure whether Baltic Sea and other territories, which are very north, is the exploitation of Antarctic or Arctic. I'm not very sure. Arctic, yeah. Or it is still other territories. So it is a possibility to manipulate this thing if it is not very clear. Don't think that this is a problem. Actually, we have a pretty clear definition of our interests, and we don't think that this particular proposition will affect our commitment to support it. It's not subject to tricky interpretations. What's the logic? Because the first point means that we have to stop the exploratory and the extraction of oil, and then we have to recognize the risk. But if we stop, the risk doesn't exist anymore, no? And we are speaking of oil drilling. Not fossil fuel, so natural gas. Why are these delegations happy if you stop doing this? It just means you're completely going to stop any exploratory oil drilling or exploitation. All of it, yeah. No, just oil drilling. Oh, does this not say exploitation anymore? Exploratory oil drilling and extraction in the Arctic. For 50 years. Yeah, so that's it. So you're not going to do it at all starting next June. It's just a period of time in which you don't do something. So I'm going to ask the parties if there's anyone against this formulation. We're all happy about the progress we're making and glad that we can potentially reach a consensus on this very critical issue. What is the extra measures that we're putting in place? Okay, oceans first. Okay. These kind of measures could be, first, cutting emissions, and second, geoengineering. For instance, stocking carbon in the soils. In those measures, you open the door to geoengineering practices in this sentence. So, yes. Does geoengineering being a possible pathway or not? Yes, pathway. Okay. Je fais partie de la délégation Océan. Et au sein des océans, je suis les pêcheurs, en l'occurrence une compagnie internationale de pêche. Et donc il y a certaines motions que j'ai clairement bloquées, comme par exemple, quand ils disent une gestion durable des océans, je dis très bien d'accord, mais ne dites pas une gestion durable des zones de pêche par exemple. Parce que gestion durable de l'océan, après en fait, ça c'est la vision commune qu'on peut avoir, mais après je veux pas qu'on aille trop précisément dans les détails. C'est, en gros, je fais une sorte de greenwashing parce que je pourrais dire aussi que, ok, j'ai défendu cette motion, mais en même temps, derrière, il n'y a rien de concret. Il faut aussi jouer comme ça, ce double jeu, jusqu'au bout. Et je pense que le greenwashing est une part importante, notamment des négociations pour les entreprises. La solution de la COP, c'est d'avoir tous les pays égaux. Et toutes les questions qui sont des influences, disons, industrielles, économiques et de puissance sont mises en quelque sorte de côté. Ça, c'est complètement utopique, parce qu'évidemment, elles agissent. Tandis que la solution qui a été inventée par les étudiants, encore une fois, j'insiste, c'est une idée des étudiants, c'est de dire non, ces entités-là, en particulier les entités économiques puissantes, elles sont représentées dans la négociation et elles doivent aussi définir leur territoire. Et c'est la définition de ces territoires qui va nous permettre d'obtenir une représentation réaliste. Donc, c'est la négociation actuelle qui est complètement utopique. Parce qu'elle cache, au fond, les véritables territoires qui sont en lutte. Et moi, ce que j'attends de la négociation, ce qui n'est évidemment pas ce que attendent les étudiants, parce que ça, c'est un peu différent, mais ce que j'attends de la négociation, c'est qu'on voit à la fin cette carte des disputes, et qu'on ait une carte géopolitique, disons, des lignes d'amitié et des lignes d'inimitié un peu claires. C'est assez frustrant de voir que là, on est une délégation de 200 étudiants, on est tous conscients du problème, et donc on représente pas des vrais intérêts économiques. Et même dans une simulation, et ben, bizarrement, on n'arrive pas à sortir de l'idée de souveraineté des États. Et même nous, justement, donc on s'est allié avec... moi, comme je suis des indigènes du Canada, j'ai essayé de m'allier avec la délégation du Canada, au sein duquel il y avait un représentant des associations, donc qui aurait pu m'aider.
et qui en fait en tant qu'entité peut m'aider, mais au sein de sa délégation n'a pas une voix assez forte puisqu'il y a trois autres entités qui sont gouvernementales. Et en fait à chaque fois c'est là qu'on a bloqué dans les négociations. C'est qu'à chaque fois les États disent bah, de toute façon c'est nous qui avons le dernier mot donc on lâchera pas. This format, which is to add ghost articles to every article we agree on, which means that we agree on a consensus on an article. And how do they know that it's ambitious? They know that it's ambitious when we ask every delegation to add the article they dream for and that the article that they proposed that were refused, so they can understand the debate behind each article, so everybody can see what we were wished for and what we have done in the end, and everything is very transparent. And this is why the COP in the last 20 years, it's not understandable, because the public cannot understand whether it's ambitious or not. The European delegation would like to complete your proposal by asking to each individual entity to really think about the goal of this week. Is it about trying to write a text that competent professional diplomats have tried to write for 20 years? Or is it about acknowledging that adding entities, that putting all the stakeholders around the table doesn't change anything, because we don't have changed the framework? What have we acknowledged tonight? That to find a common vision, it's impossible, because we are all individuals, we don't even see the same present. How can we see the same future? So, what our proposal is to each entity to write its own experience. What is at her during this week, and this will be the deliverable for the rest of the world. I love this idea, but I feel that you're being very premature in asking us to adopt it right now, because what you're asking us to do is to just admit defeat and to say that we have finished the negotiation. This is the process. It's our welcome. Once we are finished, it'll take like an hour to discuss innovative pathways. I want to see what creative stuff can happen tonight, not yesterday. I want to see what people can do when they're frustrated and somewhat drunk. And then I want them to do a process of documenting their decisions. I want them to be as transparent as possible. I want everything that you want, but I want these frustrated people to also get all this stuff that they have in their head out of them. Because it is 2 a.m.
certains délégués se sont dit, si on n'arrive pas à avoir un consensus sur le fond, c'est parce que c'est la forme en fait qui nous bloque. Et si on change la forme, on arrivera à trouver un consensus sur le fond. Il y a certains délégués qui ont proposé, à la place d'articles, d'avoir un texte qui soit plus une déclaration pour la vision. Et puis un troisième groupe qui a proposé qu'on ait plus quelque chose de visuel qui serait à définir, peut-être un plan, peut-être une image. Et jusqu'à maintenant, notre délégation, qui est la délégation des régions polaires, sont un peu perdues sur du coup, où est-ce qu'on va. Et c'est pour ça qu'on est venu ici pour en discuter entre nous, en fait. Ce qu'on peut faire, c'est aussi limiter les nombres des amendements dans la salle de I think we shouldn't limit the number of amendments. I think we should have a consensus on the amendment. Like, the delegates should find at least a 2/3 majority for their amendments before they can submit it to us. Because then you already have 2/3 of a consensus at least. So you only have 1/3 people left to. Yeah, but that's not really respecting the UN process. And how is there are rules and procedures. Huh? How can they know? They just the other entities or delegations who agree. Well, we cannot base on the US process. I'm sorry, but they have to say. I mean, the thing is, I'm just worried that this is going way back to the MUN procedure, but that's how MUN avoids this kind of confusion. Is that they say you have to have a minimum number of supporters before you can submit your amendment. Now it's in the rules, so that prevents it from everyone just submitting amendments all the time. We can change the rules, but then we need to. Meeting in plenary, and yes, we can. We can change the rules and procedures. We advise them to be between 3 and 7. Yes, to name themselves. But so we said this before or not? Already between 3 and 7. They already have some consensus. Based on consensus. Can I just say a word about that? Because yeah. I had a discussion with François Jemel, who came and who is just concerned that you're respecting too much the UN model. No, and yeah. he wants to speak to you about that tonight. Okay. We just have our rules that we send out. Okay. So if we send out our rules and I go, actually, by the way, no, we're not going to do that. Il se réveille maintenant parce qu'il a vu ce qui se passait. Ah, mais nous, faut qu'on s'adapte ce soir pour le lendemain. Ah, mais oui, tout est à 2h30, et genre pendant ce temps, s'il y a d'autres trucs à finir de rejeter dans le texte et tout, ben on continue à le faire en direct.
Et comme ça, à 3h30, on peut commencer la truc officielle. Mais l'oreille est sur le texte, non, Jen, parce qu'il nous faut, parce qu'il nous faut une heure, il nous faut une heure pour passer sur le truc qu'ils ont fait cette nuit. Et si quelqu'un d'autre se ramène avec ce genre de truc, s'il vous plaît, soyez sans pitié. Là, vraiment, on n'a plus le temps de... Je ne dis pas qu'on a mieux fait qu'eux ou que c'est plus important. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est qu'on fasse une annonce et qu'on leur dise de venir à 2h30 et de commencer à faire une plénière fonctionnelle. On pourra pas faire la plénière. Il faudra qu'on commence un peu. Je vous souhaite bonne chance à tous. Mais toi, la mort, Maintenant, les entités qui ont bossé sur la gouvernance, c'est d'aller voir toutes les autres entités pour être sûr que ça passe d'un coup en plénière, quoi. Good afternoon, Madam President, Secretariat, honored delegates, and distinguished guests. The crucial thing about this, aside from its particulars, is that it incorporates a lot of the ambitious parts of the vision enumerated over the last few days, especially by those groups who were not pleased with the traditional form of negotiation. We've incorporated the voices of state and non-state actors, humans and non-humans, in creating this article, so we're very proud of it. I will just simply present, the delegation of Canada will simply present the first part. So the environmental competence is currently distributed throughout various United Nations bodies, shall be consolidated and rationalized under a single organism we have outlined in point one. And to talk about all the subsequent substance of this measure, the delegation of Canada would like to cede the microphone to the United States. Thank you. So as many of you may remember earlier, the United States had an issue with the earlier article that had been proposed regarding the World Environmental Organization. We've been working with Oceans Canada, everyone here, to find a solution that we think will really appeal to everyone, as well as the innovative nature of this conference. What we propose is within this new organization, the Global Environmental Organization, there will be a section that's specifically designated as an incubator for new and innovative projects that are crowdsourced and provided for by local communities. I understand what you are trying to do, and it's very, very ambitious, which is good. But do you know that there are some treaties that have been signed since 1992 that have never been ratified by a lot of countries? So this 5 years is just it's like we are not being realistic. France, we would like just to propose to replace our renewable energy in the point three by low carbon energy to include nuclear power in it. That's okay, so replace renewable energy by low carbon energy. Okay. Now that we have that clarified, let's go back to see if we have consensus on this pathway. All those opposed to adopting this pathway, please raise their placards. Seeing as there are none opposed, this pathway is adopted. Congratulations. All right, which pathways from government remain? Let's see. Okay, no. On s'est rendu compte que pour rendre ça plus ambitieux, il fallait sortir du consensus. Il fallait sortir du fait de dire qu'il faut qu'on soit tous d'accord. Commençons par dire sur ce sur quoi on est d'accord, mais aussi sur quoi on n'est pas d'accord. Essayons de voir vraiment les ruptures, les fractures et en fait les controverses. For a specific class of people on the basis of the recognition of climate refugees' legal status under Article 22. Par exemple, le statut des réfugiés climatiques, en mettant sur une carte, sur une cartographie, sur un mur en fait, les valeurs et les points qui nous séparaient vraiment, on s'est rendu compte que voilà, la question du réfugié climatique n'était pas un point de clivage énorme. C'était dans le texte, dans la négociation, c'était un point de clivage, mais que ce n'était pas ça qui clivait vraiment. Et en fait, on a pu faire finalement adopter la question des réfugiés climatiques parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas une question centrale. L'Inde, l'Australie avait l'impression d'abandonner quelque chose en acceptant un statut pour les réfugiés climatiques. Et finalement, en mettant en place cette carte, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Justement, c'était quelque chose qui avait, comment dire, une valeur morale presque, qui était intéressante. Ils se sont dit, mais finalement, c'est pas vraiment nous, c'est pas notre rôle, c'est pas notre entité de s'opposer à ça. All right, so the part in green, the new has been replaced by the part in red, according to the new consensus. So now it should read, all parties shall commit to replacing a proportion of fossil fuel subsidies for low carbon energy subsidies. And I will let you all read the rest. Okay, are there any parties opposed to adopting this pathway? All right, there are none opposed. Congratulations, we have reached consensus.
All right. Is pathway three still discussing over there? Is that pathway three? What pathway is that? What group is discussing over there? Yeah, it's this one. Yeah. It's pathway three? Okay. All right. Keep on going at it. Just in one announcement. What is the announcement? Can I speak for 30 seconds? Okay, come speak for 30 seconds, but we have no time, so hurry. It's the same right now that the Australia, Canada, I'm speaking publicly, naming the delegations, because on behalf of the developing countries, they do not want to commit any money. It's not, they don't want it to mandatory. When they develop, they destroy the earth, it was mandatory for them to destroy. But right now, they don't want to commit any money. It's a shame. All right, delegates, let's move on. We are done with governance. La réussite de cette négociation, c'est la théorie des anticipations rationnelles. Si tout le monde croit que ça va se passer, c'est-à-dire qu'on va vers le changement aura lieu. C'est un self-fulfilling prophecy. Ce qui est très important, c'est qu'il y ait une majorité de gens au lendemain de la conférence de Paris qui se disent « bon, on a un accord, on en aura un, mais c'est en train de changer ». Donc voilà, le sens de l'histoire, il est dans cette direction-là. Donc on veut être dans le sens de l'histoire. Ça ne fonctionne que comme ça, ça ne fonctionne que sur la croyance. Il n'y aura pas de tribunal international du climat, on ne va pas envahir un pays parce qu'il n'aura pas respecté ses obligations, donc ce n'est pas comme ça que ça va marcher. C'est le fait que les entreprises, les villes, les gouvernements pensent que de toute façon c'est l'avenir, donc il vaut mieux être dans la bonne direction que dans la mauvaise. Donc voilà, la croyance, ça fait tout. Les représentations des intérêts, ça fait tout. C'est pour ça que c'est tellement intéressant la connexion entre une simulation, une innovation et le réel. Ok, so this is it. This is our final agreement. Since then, the agreement is officially adopted.